Yo les gars, avant de commencer la vidéo les gars, donc je voulais juste à vous prévenir, donc je pense que vous connaissez Stite les gars, donc c'était un ancien youtubeur, donc je vais vous montrer sa chaîne, donc attendez voir. Alors les gars, donc en fait Stite c'était un youtubeur, je lui ai fait de la pub parce que c'est vraiment un très bon pote les gars, donc Stite. Voilà, regarde, c'était sa chaîne, ok. Il avait 2010 abonnés, les gars. Donc là, il a chuté, il a arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne, les gars. Donc il a commencé une nouvelle chaîne, les gars. Donc la chaîne s'appelle Luvor, les gars. Donc là, il est même en stream, regardez, il a même 29 abonnés, les gars. Donc les gars, on va lui faire péter les 100 abonnés pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que franchement, les gars, il fait des lives, mais vraiment, ils sont super cool. Donc là, on va lui faire un coucou, les gars. Voilà, c'est une chaîne assez sympathique, ouais. Une chaîne assez sympathique, les gars. Donc, aussi, ouais, j'ai oublié de m'abonner, mais parce qu'en fait, il m'envoie tout le temps des notifs, voilà, avec la cloche, les gars. Donc là, il a 30 abonnés, voilà. Yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, ça va être comment gagner des abonnés, les gars. Donc comment monter vite en abonnés, les gars. Donc moi, en 2 ans, les gars, j'ai gagné 8000 abonnés, donc c'est pas mal. Hein, c'est quand même un beau chiffre. Donc je vais vous montrer des petits conseils qui pourra vraiment vous aider. Donc là, déjà, je vais vous donner le premier conseil, les gars. Donc, c'est un conseil de débutant, les gars, pour les personnes qui commencent sur YouTube, les gars, les lives fait ta pub. Donc, en fait, donc ça, c'est quelque chose que je faisais avant, mais maintenant, je fais plus. Voilà, parce que, voilà, vu que là, j'ai à peu près 8000 abonnés, moi, je me dis, c'est bon, c'est assez quand même. 8000 abonnés, c'est quand même un beau chiffre, les gars. Donc, en fait... on va sur les lives et ta pub, les gars. Donc, vous voyez un live qui tourne en route. Voilà. Voilà, on va baisser un peu le son. Voilà. Et donc, là, vous mettez. Donc, là. Là, vous mettez. Donc, là, il y a un mec qui s'appelle Fatma, les gars. Fatma. Donc, voilà. Vous mettez Fatma. Fatma. Ouais, bon, voilà. Hop, là, je pense que vous avez compris. Ensuite, vous allez mettre. Rang, et là tu mets plus, et là vous mettez plus, et là vous cherchez la cloche, les gars, la cloche. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Donc voilà, vous mettez plus, voilà, vous mettez Fatma rang plus cloche, les gars. Donc ça veut dire rang avec la cloche et notification, les gars. Donc ça, c'est pour les conseils de débutants. Après, quand vous avez 1000 abonnés, les gars, eh ben, je vous donnerai d'autres conseils, les gars, donc, que vous pourrez faire sur votre chaîne. Ensuite, les gars, le deuxième conseil. Alors, vous allez sur Instagram, les gars. Donc là, je vais pas y aller, voilà. Et donc, ensuite, quand il y a des nouvelles personnes qui vous ajoutent, voilà, je vais vous montrer. Hop, vous allez sur Instagram, les gars. Et là, vous voyez par exemple, vous avez un nouveau message, les gars. Hop, voilà. Vous allez sur sa chaîne, voilà. Hop, et là, vous mettez abonne-toi à ma chaîne. Hop, voilà. Là, vous ajoutez une petite photo, les gars. Voilà. Hop. Et donc là, on verra. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique. Ensuite, la troisième technique, les gars, je pense que vous connaissez. Donc c'est les tags. Les tags. Je sais pas si vous connaissez les tags. Donc déjà, je vais vous montrer. En fait, c'est.
Les tags, c'est une option que quand vous publiez une vidéo, les gars ils vont proposer des tags. Donc là, vous voyez sur la chaîne Kaylian Baker, les gars, en allant dessus, et ben là vous voyez, regardez en dessous de mon titre, hashtag world record, hashtag Fortnite, hashtag 30 kills, les gars. Donc en fait, ça veut dire, si par exemple on va taper hashtag Fortnite les gars, et ben on verra en premier votre vidéo les gars, vu que vous venez à peine de la publier. Moi je l'ai publiée il y a une semaine déjà. Voilà. Fortnite. Donc là vous tapez ça et là vous trouverez plein de vidéos hashtag Fortnite les gars. Et quand vous la publiez ben, en premier, et ben on verra votre vidéo en première les gars. Donc en avant-première. Donc voilà. Donc ça c'est un deuxième petit conseil. Donc voilà. Ensuite, le troisième conseil les gars. Donc en fait c'est la description les gars. La description. Donc quand vous allez sur une vidéo les gars, et ben dans la description vous mettez aussi des tags. Donc dans la description les gars, et vous mettez le titre de votre vidéo les gars. Donc voilà. Donc là je me suis trompé de titre effectivement. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc en fait je me suis trompé de titre, j'ai mis 40 kills. Voilà. En vrai, je me suis trompé de titre, les gars. Donc voilà. Donc vous mettez bien le titre de votre vidéo dans la description, les gars. Donc c'est aussi un moyen de faire pas mal de vues, genre faire le buzz sur votre vidéo, les gars. Et donc après, comme ça, vous serez connu, on va dire à peu près comme ça, vous gagnerez des abonnés. Et ensuite, je sais pas s'il y a d'autres conseils à vous donner. Ah oui, sortir des vidéos régulièrement. Donc en fait, j'ai eu une époque, j'ai pas sorti de vidéo pendant un mois et j'ai perdu énormément d'abonnés, les gars. Donc j'en ai perdu entre 20 et 30, les gars. Donc voilà. Donc sortir des vidéos régulièrement, genre peut-être 2 vidéos par semaine, 2, 3 vidéos par semaine, les gars. Donc comme ça, les abonnés savent que vous êtes actifs parce que sinon, ils se désabonnent, les gars. Donc voilà. Donc voici plusieurs conseils les gars. Voilà. Ensuite, c'est de mettre des miniatures aussi. Si vous mettez des vidéos sans miniatures, ça va pas aller. Genre moi je mets plein de miniatures maintenant. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez stylé, genre voilà. Voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo, les gars, si ça vous aura aidé. Abonnez-vous, les gars. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.